Emridi est-il devenu un véritable messager? Renonce-t-il à ses pics acerbes? Te gêne pas, tu peux aller googliser le mot. Après son tube poignant intitulé Pourquoi, une chanson émouvante qui relate des faits bouleversants vécus par certaines familles dans le silence. Ça sentait la piste là-bas, là où on grandissait. Maintenant qu'on gagne un peu, ils nous traitent de gonflés. On souffrait avec maman, après que le vieux décède. Ils nous offrent aujourd'hui Dictateur Acte 3. Rien qu'au titre, je me suis dit que cela présageait du pire. Parce que en y repensant à Dictature Acte 2, pour moi ce son n'est pas catholique. L'artiste a été sans pitié. Botica ben pression, botica ba pompage. Bamani manabeno ba suboliami. Finalement, en y jetant un coup d'œil, plutôt un coup d'oreille, j'étais choqué, j'étais totalement stupéfait. Je te laisse découvrir ce son après le jingle. Y a pas le jingle, c'est moi le jingle. Bref. Ça c'est quelle façon de s'habiller? Moi je sais pas, tu me vois pas au salut. C'est normal qu'on s'habille. Yes, un clip réalisé par Shadow. Langley Shadow. Là, on voit une scène d'un jeune qui vient un peu litiger le vendeur et il présente une arme blanche. Ouais, en fait, c'est ce phénomène que nous vivons actuellement au Congo, phénomène de bébé noir. Malheureusement, incroyable. Dans ma cité, je vois des bébés noirs sans tatou. Pendant ce temps où c'est comme John Rambo Mbaku. Ça me fait mal devant mon pays. Là, il fait référence à Uzi Gang et John Rambo, deux artistes qui ont été arrêtés plus précisément pendant l'opération coup de poing, une opération qui consiste normalement à arrêter les bandits, les malfrats, les bébés noirs, comme on les appelle chez nous. Et finalement, la rumeur courait que Uzi Gang et John Rambo, ils étaient totalement innocents. Finalement, ils ont été libérés grâce à Dieu, en tout cas. Et grosse force aux artistes, en ensemble, mes frères. Grosse force à vous. J'aime bien ce jeu de mots. Emridi, franchement, c'est ce qu'il raconte est tout à fait propre. C'est, il veut simplement dire que l'opération coup de poing n'est pas forcément une priorité par rapport à ce que nous vivons. En tout cas, ce sont les deals de l'artiste. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. J'aime bien sa façon de le faire dans des phrases assez téléphonées, très précis et des jeux de mots très propres. En tout cas, ça, pour moi, ça passe très crème. Hein. En tout cas, j'aime bien. C'était Emridi dans Dictature Acte 3, coup de poing. Et franchement, moi, je me suis régalé. Je ne sais pas toi, comment as-tu trouvé ce freestyle? J'aimerais te lire en commentaire. C'était Monsieur Corp dans la maison. Bref.